Bonjour à tous, comment ça va? Voilà aujourd'hui notre thème, les fêtes. Chaque pays est unique et singulier et a sa propre saveur et seulement ses propres caractéristiques et traditions. En Afghanistan, ils ont été façonnés pendant des siècles sous la puissante influence de diverses cultures qui ont formé une communauté unique de personnes dont les principales caractéristiques ont toujours été la cosmopolitisme et la tolérance, l'hospitalité, la compréhension de la valeur et de la signification durable de la simple communication humaine, le désir de partager la joie avec les autres. Et maintenant, on va voir les différentes fêtes que se célèbrent en Ouzbékistan. Voilà, vous pouvez ici une image que se célèbrent les différentes fêtes en Ouzbékistan. Date nom de la fête. Le 1er janvier, Nouvel An. Le 14 janvier, journée des défenseurs de la patrie. Le 8 mars, journée internationale de la femme. Le 20, 21 mars, Nawruz. Le 9 mai, journée de la mémoire et de l'honneur. Le 1er septembre, journée de l'indépendance. Le 1er octobre, journée de l'enseignement. Le 8 décembre, journée de la Constitution. Les fêtes religieuses, et encore, il y a les fêtes religieuses avec les dates changeantes. Par exemple, Ramadan, Aït, Kurban, Aït. D'accord. On va continuer notre thème. D'accord. Première fête, c'est le 1er janvier, le Nouvel An. D'accord. On célèbre le Nouvel An deux fois par an en Ouzbékistan. La première fois selon le style européen, le 1er janvier. Et la deuxième fois, le 21 mars, de ceux-ci sont les jours fériés. Le 14 janvier, le jour de défenseur de la patrie. Par la tradition formée, cette date est largement fêtée en Ouzbékistan. L'hymne de la République d'Ouzbékistan est sonné sous les sons de l'orchestre militaire sur la place de la capitale de l'indépendance. Les subdivisions militaires passent par la marche solennelle sur la place. Elle sert la commandante en chef suprême des forces armées prononce les félicitations de fête. D'accord, cette fête est toujours le jour de sortie en Ouzbékistan. Cependant, elle a perdu la coloration ancienne politique. Par la tradition, pendant les félicitations, les hommes offrent les fleurs, des cadeaux aux femmes et manifestent les signes d'attention de toutes sortes. C'est la fête le 8 mars. D'accord, le 21 mars, Nawruz. À la traduction du farsi, Nawruz signifie un nouveau jour. Nawruz, qui se célèbre le 21 mars, est considéré comme le début du Nouvel An. Comme on sait, le 21 mars est le jour de l'équinoxe vernal. La durée du jour et de la nuit est identique, 12 heures. Le 21 mars, la Terre entre dans la période de l'égalité universelle astronomique. L'essentiel parmi les coutumes, par exemple, c'est la 21 mars, l'essentiel parmi les coutumes de la célébration de Nawruz en Ouzbékistan reste plutôt la
régalade de pâtes sous malague. Le plat soudé sur le four de bois, de la farine et des grains du blé germant. Parfois avec l'incorporation des épices. Le grain germant est le symbole de la vie, de la chaleur, de l'abondance et de la santé. Des principales régalades de la fête sont le chou pas, le mouton cuit et le kouk-samsa, les pâtés farcies, de la verdure du printemps, de jeunes herbes de steppe. Par une ancienne tradition, on essaye de faire le dastrakhan de fête le plus riche possible avec de divers plats, des sucreries. Est encore le 9 mai, le jour de la mémoire et des honneurs. Le 2e mars 1999, en Ouzbékistan, il y a eu une nouvelle fête, plutôt un nouveau nom de la fête. C'est le jour de la victoire. Désormais, il s'appelle le jour de la mémoire et des honneurs, la mémoire pour les tombants, les honneurs pour les vivants. D'accord. Le 31 août, le jour de la mémoire des victimes des répressions en Ouzbékistan. Chaque année, dès 2001, le 31 août, le jour de la mémoire des victimes des répressions se célèbre en Ouzbékistan. Il est établi par l'initiative du chef de l'État, Islam Karimov. En 2001, aussi par l'initiative du président Islam Karimov, l'un des premiers musées de la mémoire des victimes des répressions dans l'ensemble commémoratif. À la mémoire des victimes des répressions a été créée en ces communautés des États indépendants. Voilà, le 1er septembre, c'est la fête, le jour de l'indépendance de la République d'Ouzbékistan. Le 31 août 1991, il y eut lieu la 7e session extraordinaire du Soviet suprême de la République à Tachkent, pendant laquelle on a proclamé l'indépendance d'État d'Ouzbékistan. La demande du Soviet suprême de l'indépendance d'État de la République était acceptée par la décision correspondante le 1er septembre et affirmée comme le jour de l'indépendance. Le 1er octobre, voilà, c'est notre fête, le jour du professeur et l'instructeur en Ouzbékistan. Chacun de nous a son professeur et son instructeur. Ce sont les gens sans qui nous ne serions pas devenus comme les personnalités. Nous aurions pas reçu les habitudes vitales, les connaissances et les savoir-faire. On peut exprimer la reconnaissance à ces hommes supérieurs, à leur fête professionnelle. Le jour des professeurs et l'instructeur marqué le 1er octobre. Cette fête se célèbre dès 1997 en Ouzbékistan, conformément au décret du président Islam Karimov du 27 décembre 1996. C'est la fête le 8 décembre, le jour de la constitution de l'Ouzbékistan. Le 8 décembre 1992, à la 11e session du Soviet suprême de la République d'Ouzbékistan, on a animément accepté la loi fondamentale du pays, la constitution de l'Ouzbékistan.
D'accord. Encore les fêtes religieuses avec les dates conjointes. Par exemple, c'est la première Ramadan Eid et Kurban Eid. Eid Ramadan, Eid al-Fitr. Cette fête est aussi appelée Rouza Eid. Elle implique une purification spirituelle et morale selon la loi islamique. Elle est célébrée le 9e mois du calendrier musulman de l'Hégira. Cette fête vient après le Ramadan. Cette cérémonie religieuse peut durer pendant 30 jours, dans lesquels l'homme est spirituellement nettoyé. Du lever au coucher du soleil, tout ce qui est jeune ne peut pas boire, manger, se permettre de mauvaises pensées. Et ils doivent être respectueux et traiter les autres avec bonté. Pour chaque musulman, le ramadan est obligatoire pour renforcer sa foi. Les personnes malades, les enfants, les voyageurs sont une exception. Le dernier jour du ramadan commence la fête d'Eid al-Fitr. Ah, et ça dure 3 jours. Mais juste le premier jour est annoncé le jour férié en Pakistan. La suite est Kurban, Eid al-Adha. Ceci est considéré comme la plus grande fête musulmane. C'est la fête de sacrifice pour le Dieu. L'origine de la fête est associée avec le prophète Ibrahim, qui voulait sacrifier son fils pour Allah, lui voulant ainsi s'asseoir. Mais il a été arrêté par Allah et a été ordonné de sacrifier des animaux, moutons, chameaux, etc. Et maintenant, tous les musulmans sacrifient des animaux pour cette fête. Kurban Eid dure 3 jours. Tous les musulmans célèbrent cette fête en famille. En plus, les gens doivent visiter les malades et les nécessiteux et aller rendre visite à leurs parents. Il est à noter que les premiers jours de la fête est déclaré en Ouzbékistan comme un jour férié. Merci pour votre attention. Voilà, notre leçon est finie. Et enfin, notre vidéo se termine. Au revoir.